Lisa? Non, je t'en prie. Julia. Tu n'es pas seule? Pourquoi tu laissais André? Je suis rentré cette nuit, avant lui. Et pourquoi? Oh, j'ai trouvé un prétexte. Vrai d'ailleurs. Je devais être ici pour affaire, ce matin. Tu n'en avais pas parlé. Tu aurais pu m'avertir. Qu'est-il arrivé? Je crois qu'André a des soupçons. André? Mais comment est-ce possible? Tu t'es trahi? Pas seulement moi, mais toi aussi. Je le crains. Ici? Oui. Quand je descendais, André était passé devant moi. Tu te rappelles? Avec le sac. Tu nous éclairais de la porte. Et moi, en passant... Dieu, qu'on peut être stupide. Il nous a vus. Ben, il me semble qu'il s'est retourné, oui, en descendant. Et tu viens me dire ça comme ça? Tu ne t'es rendu compte de rien? Mais moi, de rien. Mais où est-il, André? Où est-il? Dis-moi, est-ce que j'avais déjà commencé à descendre quand il t'a appelé? Il m'a dit au revoir. Il s'est retourné seulement quand il est sur le palier d'en bas? Non, avant. Mais s'il nous avait vus? Mais entrevue, tout au plus, un éclair! Et il t'a laissé arriver le premier? Est-ce possible? Tu es sûr qu'il n'est pas parti? Écoute, sûr, archi sûr. Écoute, jusqu'à 11h, il n'y a plus de train. Il ne va plus tarder. En attendant, dans cette incertitude, nous voilà au bord de l'abîme. Et tous deux. Tais-toi. Et sois calme, par pitié. Mais qu'as-tu fait? Dis-moi tout, je veux tout savoir. Que veux-tu que je te dise? Quand on est dans l'état où je suis, les mots les plus innocents vous paraissent des allusions. Le moindre regard, le moindre signe. Le moindre changement de ton. Du calme. Du calme. Du calme. C'est facile à dire. Ici, tu te rappelles? Avant de partir, lui et moi, nous discutions de cette malheureuse affaire à régler en ville. Il se passionnait. Oui, eh bien. Eh bien, quand nous fûmes dehors, il n'en parla plus. Il s'en allait, tête basse, troublé, les sourcils froncés. Il nous a surpris, lui disais-je. Je tremblais. Et puis, tout à coup, je l'entends qui me dit, d'une voix calme, naturelle. C'est triste, n'est-ce pas, de voyager la nuit, de laisser son foyer la nuit. T'as dit cela? Ouais. Il disait que c'était triste aussi pour ceux qui restaient. Et puis cette phrase, j'en ai eu froid dans le dos. Se dire adieu à la lumière d'une bougie, dans l'escalier. Mais sur quel ton il t'a dit cela? Mais du même ton, très naturel. On aurait dit qu'il le faisait exprès. Il m'a aussi parlé des enfants qu'il avait laissés, dans leur petit lit, déjà endormis. Mais pas avec cette affection simple, rassurante, que j'attendais. Puis, il m'a aussi parlé de toi. De moi? Ouais. Mais il me regardait. Que disait-il? Bah, que tu adores tes enfants. Et c'est tout? Ouais, c'est tout.
Dans le train, il me reparla de l'affaire à résoudre. Il me demanda si je connaissais l'avocat Gary. Il tenait surtout à savoir s'il était marié. Là, vraiment, je voyais pas le rapport. Ou c'était peut-être moi qui ai... Pardon, madame. Faut-il que j'aille chercher les enfants? Oui, mais attends un peu. Monsieur revient aujourd'hui. Les voitures sont déjà parties pour la gare. Oui, bientôt 11h. Attends encore un peu, je te dirai quand il faudra partir. Bien, madame. En attendant, je finis de mettre le couvert. Il va être là tout de suite. Tu peux rien me dire, tu peux t'assurer de rien. Mais comme si c'était simple. Écoute, je t'assure qu'il se doute de quelque chose. Il joue la comédie. Il joue la comédie à merveille. Lui, si violent. Que ma méfiance m'est rendue quelque peu stupide. C'est possible. Mais souvent à travers ses mots, il m'avait semblé comprendre. Puis après quelques instants, je me disais... Non. Non, c'est la peur. J'ai pied ses moindres gestes. La façon dont il me parlait. Dont il me regardait. Tu sais qu'il n'est pas trop bavard. Pourtant, ces trois derniers jours, si tu l'avais entendu. Je me disais, est-il inquiet de cette affaire? Ou d'autres choses? Une fois, il m'avait semblé qu'il hésitait à me serrer la main. Il s'était bien aperçu que je la lui tendais. Il fit semblant d'être distrait. C'était plutôt curieux. Le lendemain de notre départ. Il fit deux pas. Et il me rappela. Il a regretté, me dis-je. Et puis il me dit, en effet... Oh, pardon, j'ai oublié de te dire bonjour. Ça n'a pas d'importance. Et puis il me reparlait de toi, de la maison, mais comme ça. Il me semblait que... Il évitait de me regarder dans ces moments-là. Et souvent, il répétait, mais trois, mais quatre fois à certaines phases, mais comme s'il pensait à autre chose en le disant. Et pendant qu'il parlait, il trouvait le moyen de changer brusquement de conversation pour me reparler de toi, des enfants. Il me posait des questions habiles, sans doute. Peut-être espérait-il me surprendre. Et puis il riait, mais avec une joie mauvaise dans le regard. Et toi? Et moi? Rien, j'étais toujours sur mes gardes. Il a dû sentir ta méfiance. Mais puis, il avait déjà des soupçons. Tu as dû confirmer ses soupçons. Et c'est tout? C'est tout. La première nuit... À l'hôtel. Il a voulu que nous prenions une seule chambre à deux lits. Je ne bougeais pas, dans la terreur qu'il sut tout. Quand dans le silence, j'entends ces mots. Tu ne dors pas? Et toi? Rien, je faisais semblant de dormir. Prononcer ces mots, mais
avec la certitude que je ne dormais pas, que je ne pouvais pas dormir. Tu comprends? Et c'est tout? C'est tout. Je n'ai pas fermé l'œil pendant deux nuits. Et avec toi, toujours le même? Mais oui, toujours. Ces hypocrisies ne lui ressemblent pas. Tu nous avais vraiment surpris. Et pourtant, il s'est retourné en descendant. Il ne s'aperçut de rien, c'est impossible. Mais dans le doute. Même dans le doute. Se dominer au point de ne rien laisser percer. Qu'est-ce que tu sais, au fond? Rien. Même en m'admettant qu'il se soit retourné quand tu t'es penché sur moi, s'il était venu le moindre doute que c'était pour m'embrasser, oh, il serait monté, t'imagines dans quel état? Bon, vraiment, tu as eu peur, voilà tout. André n'a aucun motif de se méfier de nous. Tu vas toujours traiter devant lui très familièrement. Mais le soupçon peut naître brusquement. Voilà ma crainte. Peut-être prudent. Je te l'ai toujours dit. Ah ! Des reproches ? Non. Fais attention. Oh, et toi ? Oui. Mais comme il y a trois jours, c'est toi qui... Oui, c'est toujours moi. Si ce n'était pas pour toi ? Oui. La peur. Tu trouves qu'il y a lieu de se réjouir, toi et moi ? Mais surtout toi ! La peur. Tu crois que je ne pense pas à toi? La peur. Et tu penses à ça? Nous avions trop confiance. Voilà. Pense donc. C'est mes récits. Sous son toit. Sous ses yeux presque. Tirant parti de tout. De la moindre occasion. Et qu'il s'éloignera un peu. Et même ici, en sa présence, avec les gestes, les regards. Le fou, fou que nous avons été. Tu me reproches maintenant? C'est juste. J'ai trompé un homme qui croyait plus à moi qu'à lui-même. C'est ma faute. Surtout ma faute. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, je sais. Et tu peux même ajouter que m'étant sauvé de chez mes parents, c'est moi qui l'ai poussé à se sauver aussi. Parce que je l'aimais. Et puis je l'ai trompé avec toi. Il est donc bien juste que tu me condamnes. Et si je suis partie, c'est parce que je l'aimais. Et non pas pour trouver toute cette paix, toute cette aisance dans un nouveau foyer. J'avais déjà un foyer. Je ne serais pas partie avec lui. Et lui, pour justifier devant le monde cette folie. Lui, un homme si sérieux, si pondéré, n'a pensé qu'à une chose. Réparer cette folie puisqu'elle était faite. Il l'a réparée sans délai. Pour cela, il fallait aller vite. Se mettre au travail d'arrache-pied. De refaire un foyer riche, une somptueuse oisiveté. Il a travaillé comme un fou. Il n'a vraiment pensé qu'au travail. Il n'a désiré d'autres récompenses, pourtant d'activité et tant d'honnêteté, que ma joie et ma gratitude. Car en effet, j'aurais pu tomber plus mal. C'était un galant homme. Il voulait me redonner ma fortune d'autrefois. Il l'a doublée au besoin. Tout cela pour moi, qui chaque soir l'attendait. Heureuse de son retour, impatiente. Et lui, il rentrait éreinté. Et content de sa journée de travail. Et déjà préoccupé des besoins du lendemain. Et bien moi aussi, à la fin, je suis fatiguée d'avoir presque à le contraindre à m'aimer, à répondre à mon amour. L'estime, la confiance,
l'amitié d'un mari sont à certaines minutes des insultes à la nature. Et tu en as profité, toi, qui maintenant vient me reprocher mon amour et ma trahison. Parce que le danger de bientôt t'apparaître et que tu as peur. Je vois bien que tu as peur. Mais que crains-tu? Tu n'as rien à perdre. Tandis que moi, tu me demandes d'être calme. Mais si j'ai peur, c'est pour toi. C'est pour tes enfants. Je t'en prie, ne parle pas à mes enfants. Pauvres petits innocents. Voilà que tu pleures. Je m'en vais. Oui. En effet, maintenant tu n'as plus rien à faire ici. Tu es injuste. Je t'ai aimé comme tu m'as aimé. Et tu le sais bien. Je ne t'ai jamais rien reproché. Je n'en ai pas le droit. André ne sait rien. Tu le crois? Et c'est sûrement vrai. Allons, il ne s'est sûrement rendu compte de rien. Courage! Rien n'est fini. Non! Nous serons... Non, ce n'est pas possible! Comment voudrais-tu maintenant? Il vaut mieux en finir! Comme tu voudras. C'est là tout ton amour! Veux-tu me rendre fou? Non. Il vaut mieux en finir. Et dès ce moment même. Quelles que soient les choses qui arrivent entre nous, tout est terminé. Et peut-être voudrais-tu me tout lui dire. Mais tu es folle! Oui, mieux! Quelle va être ma vie désormais? Tu imagines? Je n'ai plus le droit d'aimer personne. Même pas mes enfants. Quand je me projetais sur eux pour les embrasser, il me semblera que le souvenir de ma honte mettrait une ombre à leur front immaculé. Il saurait bien libérer. Et s'il hésitait, je saurais bien en finir. Tu perds le sens. Je l'ai toujours dit, c'est trop. Il ne me reste plus rien. À part maintenant, avant qu'il te trouve ici. Je dois vraiment m'en aller? Te laisser? J'étais venu exprès. Ne voudrait-il mieux pas que... Non, il ne faut pas qu'il te trouve ici. Reviens quand tu seras là. C'est nécessaire. Reviens vite et sois calme. Indifférent. Mais pas comme tu es en ce moment. Parle-moi devant lui. Adresse-toi souvent à moi, et je tâcherai de t'aider. Oui. Vite! Et si jamais... Si jamais? Non, non, rien. Désormais. Mais quoi donc? Rien! Je te dis au revoir. Julia. Va. À tout à l'heure. Un prétexte quelconque, il m'aurait trouvé là en train de regarder. S'il n'avait pas eu peur. Mais il a eu si peur.
a sonné. Il faut que tout soit prêt, Anna, je t'en prie. Tout est prêt, madame. La table? J'ai mis le couvert. La chambre de monsieur? Tout est en ordre. Va chercher les enfants. J'y vais. Anna! Madame? Laisse-la encore un peu, tu iras quand monsieur sera revenu. Ma foi, c'est peut-être mieux. Monsieur va être là d'une minute à l'autre. Si madame veut que je descende pour attendre la voiture et monter les sacs. Non, non, attends. Ils sont si heureux, les enfants, que leur papa revienne. Il leur a promis des cadeaux. Ils se disputaient ce matin en allant chez leur grand-mère. Papa me préfère à toi, disait Nino. Bien, mais moi, c'est maman qui me préfère, répondait Nino. Chérie. Ils savent à peine parler que déjà ils ont leurs idées. On va les chercher. Voilà les voitures, madame. Elles sont là, elles sont là. Voilà, monsieur. Ils sont chez leur mère. Laisse-les encore un peu. Monsieur a dit. Ah, je suis si fatigué. J'ai mal à la tête. Tu as peut-être laissé les clés d'être ouvertes dans le train? Non. Tout était fermé. Mais quel bruit! Je n'ai plus fermé l'œil. Vous étiez nombreux? Très nombreux. Et mon cousin, tu le rapportes? Oh. Oui, il n'y est pas. Bon, ben, j'ai dû le laisser dans le train sans aucun doute. C'est dommage. Qu'y faire? Nous ne pensons plus. Tu as été bien? Et les enfants? Tout a été très bien. Et tu m'as dit que tu m'attendais? Antonio Serra a dû t'annoncer mon arrivée. Oui, il sort d'ici. Tu ne m'as pas écrit une seule fois. C'est vrai, mais pour 3 jours. Serra est venu hier soir. Oui, oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il va venir te voir. Il va venir? Très bien. Tu as bien fait, tu sais, d'envoyer les enfants chez ma mère. Elle y tient beaucoup. Tu n'y as pas été, toi? Tu sais bien que j'y vais qu'avec toi. Oui, mais désormais... Et ton affaire? Serra ne t'en a pas parlé? Oui, il est resté si peu. Ah ben l'affaire... L'affaire est en bonne voie. Mais notre Antonio m'a planté là. Tu sais que l'avocat Gary m'a parlé de lui? Il l'a couvert de fleurs. Ah ben... Il est certain qu'il est plein de talent, ce type-là. Hein. Il a mené l'affaire à merveille. Oui, vraiment. Mais si tout se déroule comme je le voudrais, devine ce que je pense. En vitesse, je liquiderai tout ici et hop, adieu. Ah, je veux plus de casse-tête, moi. Plus de travaux forcés. On fait les paquets et on s'installe en ville. Hein, que dis-tu? Nous nous installons en ville. En ville? Ben oui, mais ça te déplairait? Non. En ville. En ville. Je veux aussi vivre comme les bourgeois, moi, maintenant. Mais la passe est bonne. Mais comment tu as pris cette décision? C'est pas encore une décision. Si j'arrive à mes fins. En tout cas, je ne resterai pas ici, j'en ai assez. Après tout ce qu'on a fait. Et puis pour toi aussi. Moi, tu sais, n'importe où. Ah bah tout de même. Tu aurais des distractions que la campagne ne saurait offrir. Tu en as besoin, toi aussi. Et puis quand ce ne serait que l'air de la ville, le bruit. Et puis, ici, il y a ma mère.
Et toi, avec elle... J'espère que c'est pas pour ça que tu veux qu'on s'en aille. Ah non, non, non. Pas précisément. Tu sais bien que c'est ta mère qui a un problème avec oui, moi. Oui, je sais, et ce serait effectivement une raison de plus. Mais il y a d'autres raisons. Tu sais, en ville, j'ai rencontré deux fois tes frères. Et les deux fois... Rien. Que peuvent-ils faire? Il ne manquerait plus qu'ils fassent quelque chose. Mais ils ont fait semblant de ne pas me connaître. Et oui, c'est inutile, ils ne peuvent pas l'avaler. Quel orgueil est maintenant, c'est de la rage, oui. Car maintenant, je ne suis plus le décavé d'autrefois. Ils ont été privés de la joie qu'ils auraient eue. À te voir désespéré d'avoir quitté leur maison. Ils ne peuvent pas s'y faire, et moi je m'en vais à la ville pour eux, pour qu'ils soient heureux. Sera viendrait aussi bien volontiers, je pense. Que fait-il ici? Ses affaires. Oh. Ah oui. Oui, les vraies affaires ne se font pas qu'en ville, hein. Mais il n'y a personne ici. Qu'un troupeau d'imbéciles. Si nous partons, à ce propos, il faudra maintenant veiller à le récompenser. Je lui ai rendu des services, mais ça ne compte pas. Ça compte peut-être pour lui? Non, pas du tout. Les affaires sont les affaires et les services n'ont rien à voir là-dedans. L'amitié ne s'achète pas. Si tu savais toutes les bonnes raisons qu'il a su trouver pour défendre mon point de vue, assez juste, hein, je crois d'ailleurs. Mais parce qu'ici, mais on va jusqu'à me dénier le mérite d'avoir fait du bien au village. Mais la gratitude suffirait. Je ne dis pas que je l'ai enrichi, je pourrais le dire. Mais le mérite de l'avoir assaini, de l'avoir débarrassé de la malaria, même pas ça. Ils ne comprennent rien. Eh oui, c'est toujours ainsi. Quand il s'agit d'avoir de la gratitude, on ne comprend plus. Il m'avait cédé une marraine. Tu sais comment c'était ici quand nous sommes arrivés ? Ne produisait qu'un peu de broussailles dont les brebis elles-mêmes ne voulaient pas. J'ai risqué toute ma fortune, c'est-à-dire la tienne, pour assécher, fumer, bonifier. J'en ai fait le champ le plus fertile de la contrée. L'échéance du bail arrive, et non seulement on me reproche les droits sur les bénéfices, mais encore l'honneur d'avoir ressuscité le village. Vous vous êtes enrichi. Merci. Qui a travaillé? Il aurait même fallu s'appauvrir pour eux. Allons-nous-en. De plus, l'argent était à toi. Tu viens me chanter là. Et parfaitement, il était à toi. Et si je suis devenu riche, c'est grâce à toi. Moi, je n'ai jamais travaillé. C'est vrai. J'ai travaillé, j'ai eu du courage.
je suis arrivé ici, on me traitait de fou. Ici, les gens crevaient de la malaria. Il y avait justement le vieux Montaigna dans le train. Il a perdu ses deux filles. Sa femme aussi est morte de la malaria. Ils ne vivaient pas ensemble. Tu aurais voulu qu'ils vivent ensemble après que... Mais il la pleurait plus que ses deux filles. Et tout le monde riait naturellement. C'est à moitié gâteux maintenant, le pauvre. Au village, on se moquait de lui. Enfin, mais tu le sais qu'il a reçu la bastonnade. Vraiment? Mais oui, il y a longtemps. Et c'est l'amant de sa femme qui lui donna une petite correction. T'imagines, Henri? Il nous racontait ça lui-même, tout tranquillement. Par chance, il y avait avec nous dans le train un de ces jeunes gens à la dernière mode, tu sais. Tu ne m'écoutes pas. Si, je voulais te demander... De passer à la table. C'est servi. Oui, dans une minute. Alors écoute, ce jeune homme prend la parole. Si j'avais une femme, dit-il, ce qu'à Dieu ne plaise, et que j'ai quelques doutes, il avait l'air de se moquer de Montaigna. Moi, je ferais semblant de n'avoir rien remarqué. Je ne chercherai pas de preuves. Je ne la dérangerai pas pour rien. Tu entends ce qu'il disait? Quand ce moment sera venu, je me tournerai vers ma femme. Et puis, comme si de rien n'était, tout en parlant, je lui raconterai très doucement une petite histoire de ses amours intéressante, mais une histoire distinguée, et qui, tout en tournant autour de sa propre faute, la prendrait dans un filet aux mailles de plus en plus serrées, jusqu'au moment où on lui met sous le nez une glace à main. Ma chère, pourquoi pâlissez-vous? C'est très drôle. Vous voyez bien que je sais tout. Bêtise! Ah ben, je t'ai ennuyé, n'est-ce pas? Tout ça ne t'intéresse pas. Mais que veux-tu que ça me fasse, la femme de Montaigna? Et alors, Serra, oui, je lui dirai. Écoute, mon cher, sans façon, nous sommes amis, alors dis-moi ce que je dois te donner et je te le donnerai. Hein? Qu'en penses-tu? Comme tu crois. Comme tu le sais, j'ai un peu peur qu'en lui parlant ainsi... Il refuse. M'ayant volé mon honneur, il refusera sans doute mon argent. Que dis-tu? C'est pas vrai. Tu es fou? C'est pas vrai? Tu vas nier? Tu es fou? Moi, je suis fou. Ha! Ce n'est pas vrai! Tu crois me faire peur? Comment peux-tu dire une chose pareille? Qui te donne le droit de m'insulter? Je t'insulte, mais tu trembles. C'est pas vrai. Quelle preuve? Preuve? Droit? Je suis un imbécile, un fou. Et toi, une innocente, une victime.
Mais puisque je vous ai vu, moi-même, qu'avec ces yeux-là, je me suis aperçu. C'est pas vrai, tu es fou. Oui, c'est stupide. J'ai vu, je te dis, de mes yeux, et tu as le courage de nier. Il est venu te le dire, n'est-ce pas? Il est venu te le dire! J'ai eu cette devance. Pourquoi n'es-tu pas parti avec lui? Allons! Nie encore! Si tu le peux! André! Ah, mais tu vois, tu ne peux plus nier. Par pitié! Pitié? Tu peux me tuer! Faire de moi ce que tu veux! Tu le mériterais, infâme! Tu le mériterais, oui! Je sais pas ce qui me retient! Mais non. Regarde. Je veux pas me salir les mains. À cause de mes enfants. Tu n'as même pas pensé à eux. Même pas à eux. Infâme! Dehors, tout de suite, hors de chez moi. Où veux-tu que j'aille? Mais tu me le demandes. Mais va chez ton amant. Va chez ton amant, il te donnera tout. Vas-y, avec ton argent. Je recommencerai tout pour mes enfants. Va-t'en. Dis-moi plutôt. Ne me parle pas ainsi. Je te demande pardon pour eux. Je te promets que je n'oserai pas te regarder en face. Pour eux. Non. Laisse-moi rester auprès d'eux. Non. Je serai ton esclave. Non. Je t'en supplie. Non. Non. Tu ne les verras plus. Tu peux faire de moi ce que tu veux. Non. Ce sont mes enfants. Tu y penses un peu tard. Un peu tard. J'ai été folle. Moi aussi. Je suis fou. J'ai été folle. Ma beauté sans excuse. Je sais. Mais ce fut un moment de folie. Crois-moi, je t'aimais, oui. Je me suis sentie abandonnée de toi. Je n'accuse personne, je sais. Et je suis partie avec toi. Tu vois donc que je t'aimais. Mais pour me trahir! Dis plutôt que tu es partie avec le premier homme rencontré. Tu serais parti aussi bien avec d'autres. Non, mais je ne veux pas me disculper. Alors, va-t'en. Attends. Je ne sais plus que te dire. Je suis coupable envers toi, envers les enfants, oui c'est vrai. Mais puisque pour toi je ne peux plus rien faire, laisse-moi au moins pour mes enfants expier la faute que j'ai commise envers eux. Tu ne peux pas me refuser ça! Tu ne peux pas m'arracher à eux! Là, c'est moi qui t'arrache à eux! Attends. Tu veux que je perde mon temps à écouter les doléances? André. Tu ne les verras plus. André. Je te demande pour la dernière fois. Je t'en conjure. Regarde! Je te dis non! Passez! Je ne veux plus t'entendre! Je ne veux plus t'avoir! Les enfants sont un homme, les enfants! Ils resteront avec moi! Toi! Va-t'en! Alors, on va, tu vois! Mais tu peux te tuer toi-même. Alors, écoute! Des scènes de larmes. Non, écoute. Si je dois plus les voir, même pas une dernière fois. Maintenant, je t'en supplie. Je t'en supplie. Non, je t'ai dit non. Une dernière fois, le temps de les embrasser, de les serrer contre moi et ce sera tout.
tu es cruel. Alors au moins, promets-moi que, quand ils viendront et aussi après, promets-moi qu'ils ne sauront jamais rien. Viens. Viens par ici. Quoi? Ce sont eux? Non. Non. Regarde. Là. Tu le vois? André, par pitié! Va à côté! Pour qui te gênes-tu? Je t'en conjure, André! Mais va à côté! Tu as peur pour lui! Non, c'est un lâche! Attends-le à côté. Tu es comme lui. Non. Adieu, André. Adieu. Mais tu l'as tué! Possible à qui nous vivons tous ce soir, Jacqueline Sourvet. Merci, j'ai eu de la chance, j'ai eu des partenaires formidables. Bravo! Normalement, je crois qu'ils ont annoncé sur Sortir qu'il y avait encore une soirée à 21h30, mais c'est annulé. Hein. C'est annulé, donc on ne jouera pas. C'est fini. Ce spectacle, une seule fois. C'est terminé. Donc voilà. Bravo. Merci. Bravo.